L'Association nationale des pharmaciens algériens a organisé aujourd'hui la première conférence de l'industrie pharmaceutique algérienne. Cette conférence, qui a regroupé plus de 300 personnes spécialistes de la réglementation pharmaceutique en Algérie, de différentes catégories, notamment des pharmaciens des établissements pharmaceutiques, des pharmaciens des autorités de régulation pharmaceutique, a pour but d'échanger les expériences des spécialistes de l'industrie, de renforcer leurs connaissances et de partager leurs expériences mutuelles. Donc, nous avons différents thèmes que nous avons abordés durant la journée et aussi des ateliers pratiques dans l'après-midi dédiés à différents thèmes que nous avons choisis, notamment donc la réglementation, la fixation des prix, la bioéquivalence, l'étude de bioéquivalence, l'information scientifique, la régulation donc de l'importation. Donc tout ça, donc c'est des sessions de formation continue d'échanges et de débats qui ont été encadrés par des experts en réglementation pharmaceutique, les autorités de la santé, notamment le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, le Centre national de pharmacovigilance, pour les pharmaciens justement qui se sont spécialisés dans l'industrie pharmaceutique. Donc c'est des sessions de formation continue et de débat concernant les actualités, les dernières actualités réglementaires pharmaceutique et aussi les défis de l'industrie pharmaceutique algérienne, notamment que ça vient à la veille de la fête de l'indépendance nationale. Et comme nous savons, donc l'industrie pharmaceutique en Algérie a parcouru un bon chemin pour la couverture des besoins médicaux en médicaments en Algérie par la production nationale. Et c'est-à-dire le fait d'assurer la souveraineté pharmaceutique et sanitaire en Algérie. Voilà, donc nous remercions tous nos partenaires, le ministère de l'Industrie qui nous a accordé le parrainage et toutes les institutions et les partenaires qui nous ont aidés pour la concrétisation de ce projet qui nous tenait à cœur.